retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon mock, donc le Lego Store. Donc je ne sais pas si vous voyez très bien, donc c'est mon Lego Store que j'ai mis dans ma ville. Donc, j'ai fini de le construire hier soir. Donc je vais vous présenter tout ça. Alors déjà devant, j'ai mis un petit logo Lego et un petit drapeau. Ça, je vais essayer de le remettre en relief et de l'avancer. Donc ça. Là, j'ai mis une genre de petite cheminée. Là, une aération. Donc on a des vitres. Là, sur ce côté, il n'y en a pas parce que c'est collé contre un autre immeuble. Donc on ne verra pas. Mais par contre, il y a des vitres là et là. Et là. Là, on a une petite porte pour entrer. Voilà, donc on rentre. À l'intérieur, on arrive dans ça. Donc on rentre par là, enfin par là. Donc ici, on a des petites étagères Lego avec la caisse et tout. Derrière, c'est blanc parce que en fait, c'est un mur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, parce que c'est pas très bien éclairé. C'est le mur où on pioche les pièces dans les Lego Store. Et donc j'en ai fait la pièce entière que pour ça. Donc je trouve ça assez classe. Donc j'ai choisi la couleur bleue parce qu'au départ je voulais faire noir mais ça faisait un peu trop triste. Du blanc j'en avais pas sinon ça aurait été l'idéal. Et du jaune on aurait cru que ça aurait été une poste. Donc j'ai juste ce petit défaut là de l'étage. Mais bon c'est pas grave. Là derrière j'ai mis un mur comme ça mais de cette face là. Pour qu'on le voie de cette face-là, de ce côté-là. Donc ça fait assez classe. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, moi je suis assez content. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Surtout, abonnez-vous.